Et continuons tout de suite notre exploration de la grande pyramide. Oh, attention à la main qui tombe. La pyramide fantôme, pour être plus précis. Et on continue à monter. Non, on remonte plus exactement. Puisqu'on était tout en bas. Alors, difficile de savoir où il faut aller. Probablement pas par ici. À moins qu'il y ait un mur fissuré. Non, puisque en bas on y est déjà allé. Encore nos chers amis. Ah, je suis trop près. Il disparaît quand on s'approche. Je crois qu'il s'appelle Demono, ce monstre. Il est tiré de Secret of Mana. Voilà. C'est bizarre, j'ai des souvenirs de cette salle. Ok. Bon, si on descend, on monte. Et si on va à droite, on descend. Si vous avez bien suivi. On peut aussi aller voir ça. Donc là, le seul moyen d'obtenir ce coffre, c'est de tomber par l'étage du dessus. Cool, j'ai ouvert la porte qui me bloquait au début. Alors, allons voir au-dessus. Je pense que ce sera peut-être pas si facile de tomber dans un trou. Déjà, on peut aller voir là. Oh. Décidément, c'est nos amis, eux, dans ce donjon. On est inséparables. Ah. Je sais pas viser. Ça y est. La boussole. Ah d'accord. Donc il va falloir poser des bombes. Bah autant faire ça tout de suite. Et attention, attention encore, voilà. Une petite clé. Ensuite, on va remonter pour voir ce qu'il y avait en bas. Enfin, au-dessus. Parce qu'on ne remonte pas pour voir ce qu'il y a en bas. D'accord. Donc ici, mince. Ici, j'ai fait ce que je pouvais. Il nous reste encore à aller voir là. Ah! Ouais. Ah! C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Où suis-je? Bon, allez, on va aller voir là. Ça sera fait. Ici, on peut... Oups. Je suis au... Au moins un? Alors, pourquoi il y a un sol fissuré? Si on peut pas aller plus bas. D'en savoir plus. D'accord. C'est logique, mais bon, on sait jamais, il vaut mieux vérifier. Il pourrait très bien avoir des endroits qui ne sont pas indiqués sur la carte. Bon, en fait, on était obligé d'aller là. Oups. Ah, j'ai eu un cœur. Ok. Là, je suis déjà allé à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Oui, d'accord. On peut aller sur la plateforme centrale. Et ensuite, ici. Voilà. Oula. Je pense que je vais pas tarder à mourir. Et encore une grande salle. Oulala, là là là, je me souviens. Je sais pas trop si j'ai envie de faire ça maintenant. De toute façon, je vais mourir, alors ça change pas grand chose. Ok. Ouh la vache. Si je reste en haut de les plateformes, je suis relativement abrité. Relativement, parce que déjà il y a la main qui tombe, et en plus les boules de feu peuvent monter les escaliers. Voilà. Ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. Et moi par contre je suis obligé de descendre pour les tuer. Apparemment il faut que je les tue tous pour avoir un coffre. Est-ce que j'ai une potion rouge? Non, j'ai pas de potion rouge. Ça sent le mur fissuré là-haut. Non ? Ici alors. Ah ! Non, je vais d'abord aller voir. Non, oui, là. Ça doit bien servir à quelque chose. D'accord, et là-haut, il y a quoi? Une porte fermée. C'est marrant, le plan, il indique qu'il n'y a même pas de porte. Ok, c'est une fausse porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui mettre une bombe? Merde. Mince. Je l'ai pas bien mise dessus. Ah. Ah, cool. Comme quoi, il faut observer la carte, hein. J'ai deux clés. Je vais essayer de monter là pour trouver quelques cœurs. On sait jamais, on peut rêver. Ah ! On a trouvé beaucoup mieux que des cœurs. On vient d'ouvrir un accès direct. Voilà, donc maintenant si on meurt, eh ben c'est plus du tout grave. Puisqu'on était juste ici. Je pense pas qu'il y ait le mur fissuré là, ça a l'air bizarre, mais je vais essayer quand même. Je mets la bombe bien au centre de l'écran. Y a rien. Ah, je gage les cœurs. Alors ensuite, on va utiliser l'arc pour nos amis. C'est super dangereux quand même. Là. Ah. Trop près. Prêt. Il n'y a plus que deux. J'ai plus beaucoup de flèches. Ah.
qu'un. Ah. Alors c'est quoi, une clé? Eh ouais, une clé. Ah, quel soulagement. Ok. En haut, c'était l'accès vers le début. Très bien. Ah, on a déjà fait une bonne partie du donjon. Je vais retourner à un endroit où je me souviens qu'il y avait une serrure pour verrouiller. Puisque maintenant que j'ai trois clés. Oups. Je sais pas si j'ai pris le chemin le plus rapide, mais bon. Je vais peut-être mourir avant d'y arriver d'ailleurs. Ah! Allez, on va essayer d'y retourner. Je pense me souvenir où c'était. Oh, ça devient dangereux là. C'est par où après? Quand je dis je pense me souvenir où c'était, je crois que je me suis emballé un peu vite. Ah oui, il fallait passer par le... Par le rez-de-chaussée. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais sauvegarder et quitter. Et recommencer. C'est pas seulement pour revenir plus vite au début, parce que j'étais pas très loin de toute manière. Mais c'est aussi pour sauvegarder. Parce que j'ai tendance à fermer le jeu en oubliant d'avoir sauvegardé. C'était pas par là non plus. Ah, c'était presque par là. C'était par là. Allez, Stalfos, à bientôt. Ok, il faut atteindre l'escalier qui est à l'est de cette pièce. Bah, c'est pas là que j'étais juste avant. Ah non, c'était pas là. Alors, faut passer par là, faut passer par là. Non, pas par là. J'essaye d'aller vite pour éviter la main tombeuse, là. Du coup, je vais un peu trop vite. Ah. Je crois que tu le tuais avant, lui. Ah, tu m'auras pas, toi. Oulala là là. Bah ça y est, je suis mort. Le temps de mettre pause, ça y est. Ah. Du coup, on va faire complètement autre chose. On va aller voir par là. Maintenant que cette porte est ouverte. Serait-ce le mini-boss qui est indiqué sur la carte avec un rond blanc? Eh oui. Alors... Déjà... Ah oui, c'est encore un... encore un ennemi tiré de Secret of Mana. Je pense qu'il faut que j'allume les 4 torches. Enfin, que je le fasse allumer les 4 torches. Mais il y a probablement un chronomètre. Elles vont probablement s'éteindre. Voilà. Ah, je peux l'attaquer même quand il est seulement partiellement allumé. Partiellement affiché, je veux dire.
Ah non. Peut-être pas. Ok. Ah si. Bah, je comprends pas bien. Des fois ça fonctionne et des fois pas. D'accord. En fait, c'est assez dur parce que quand il est d'un côté de la salle, il n'y a aucun moyen d'allumer les torches qui sont de son côté, quoi. Donc, il faut espérer qu'il se balade un peu. Mince. Voilà. Là, il faut l'attaquer le plus possible parce que tant qu'il y a encore une torche allumée, il faut allumer les 4 torches pour qu'il soit vulnérable, qu'il devienne vulnérable. Et ensuite, tant que l'une des 4 est encore allumée, on peut l'attaquer. Yes. Allez, là je l'achève. Voilà. Alors, serait-ce le marteau? Ah non. Ah ouh. Mieux encore. La meilleure tunique. Enfin, une meilleure tunique. Sa défense augmente d'un point. Ok, cool. Je note quand même que quand j'aurai le marteau, il faudra que je revienne dans ce donjon. Alors. Je crois que je suis déjà venu ici. Hein. Ouais. Ah bah c'est cool, je suis juste à côté de l'endroit que j'espérais atteindre tout à l'heure quand je suis mort. En tout cas, je pouvais pas espérer mieux qu'une armure bleue parce que depuis le temps que je voulais un meilleur système, une meilleure défense, améliorer ma défense, je trouve que les ennemis nous faisaient perdre beaucoup trop de points, quoi. On peut tenter un mur fissuré, là, d'après la carte. Ça me paraît trop simple, mais bon. Ok. Ah ah. Une autre salle avec des planchers fissurés. Qu'est-ce qu'on a en dessous déjà? Ça me dit rien du tout cette pièce. Il n'y a rien de spécial en dessous en fait. Si je me souviens ce qu'il y a, il y a juste des squelettes. Ok, par contre, comment on passe? Comment on descend là? Ah d'accord. Et voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger petit à petit vers le boss, là? Ah, oh. J'ai l'impression que si. Il nous reste encore une clé. Ah. En fait, non, on n'est pas tout à fait encore en train de se diriger vers le boss. Faut faire un petit détour. D'accord. Eh bien, on fera ce petit détour dans le prochain épisode. On ouvrira la porte verrouillée qui est là-haut. Merci à tous et à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut!